Thor me fait profiter de sa force. Ce qu'il faut faire. Ça non. Alors, je vais regarder un truc. Salut Claude. Ce qu'il faut faire avec les champignons. Voilà, je vois pas là. Il y a une mission à faire avec les champignons, mais je vois pas ce qu'il faut faire. Ah, peut-être la fouiller, non? Non, mais je sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Je vais regarder un petit peu si j'ai des petites quêtes par ici à faire. Là j'ai une quête annexe, on va aller par là. Bloqué avec le druide, c'est la dernière alliance que j'ai à faire et il veut pas interagir avec le partage, c'est la merde. C'est à quel niveau, c'est dans quelle contrée? Essaye de m'aider un petit peu parce que je vois pas où est-ce que c'est. Voir si moi je l'ai débloqué par rapport à ma map, regarde un petit peu. Voir si moi je l'ai fait ou pas. Je vais te montrer mes quêtes. Ma dernière quête que j'ai à faire, c'est celle-ci, en quête principale. Ligne de ravitaillement. Dis-moi si toi aussi t'es arrivé au même endroit que moi. Attends, je vais te remontrer la map. Ouais, j'ai débloqué ça moi. Essaye de me dire un peu Claude, voir si on est au même endroit ou quoi. La dernière alliance que j'ai à faire. Ah ouais, donc t'es plus loin que moi alors. Parce que moi j'ai pas encore débloqué toutes les alliances, je crois. Parce que le druide, je crois pas que je l'ai fait. Bien voir là. Me crois, je suis en danger. Tac. Ouais, il y a pas mal de bugs sur les jeux Ubisoft hein, parce que là on voulait faire aussi Watchdog Legion, mais on peut pas parce qu'en fait il y a des bugs de sauvegarde donc on peut même pas continuer le jeu. Donc c'est pour ça qu'on va pas streamer encore sur la série X. Parce qu'en fait il y a pas mal de bugs sur le jeu. Et là normalement on devrait faire Ah ouais t'es niveau 255, ah ouais moi je suis pas autant. Parce qu'en fait je fais les quêtes annexes et tout ça, moi je suis quel niveau? Je suis niveau 120, un truc comme ça. 123. Donc tu vois je suis carrément T'es carrément plus loin que moi ouais. Ami ou ennemi? Je viens en paix mes amis. On m'a dit que vous sauriez peut-être où les Bretons apportent leur ravitaillement. Sommes-nous tes amis, Danois? C'est en tout cas ce que je souhaite. Après des années de sang versé. Et comment t'as trouvé le jeu au fur et à mesure des quêtes? De c'est que des quêtes différentes. Hein. J'ai pas fait une seule quête pareille pour l'instant. Mon seul souhait est de le priver de ravitaillement, de le forcer à négocier et de mendier une trêve. Lorsque nous aurons la paix, les tiens et toi-même n'aurez plus à vivre dans la misère. Ce que tu dis est plein de bon sens. Très bien, Danois. Ah ouais, voilà, t'as été chercher les pays Excalibur et tout déjà. Ouais. Les marchandises. Ouais, il est bien le jeu, hein, il est super bien. C'est dans la même lignée que Black Flag, c'est ce que je disais hier
sur le stream, c'est dans la même lignée. Merci. Il est au-dessus de... des deux derniers Assassin's Creed. Hein. Pourtant, Origine était déjà bien. Odyssée, moins bien. Odyssée, j'ai moins bien aimé. Et celui-ci, vraiment bien. Alors, je vais retirer ma... Voilà, pour pas que ça m'induise en erreur. Et je vais regarder au niveau des quêtes si elle est activée. Ouais, c'est bon. Alors, trouve la carrière de Stone. La carrière se trouve au sud, vestige des collines. Tac, tac, tac. Alors, de Dustin, la carrière est au sud des vestiges de la porte des collines. Tac, 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 je regarde un petit peu. Ouais, Origine, moi j'ai bien aimé hein, avec les pharaons et ça, j'ai super bien aimé. Mais Odyssey, c'était moins bien. En fait, le jeu était trop long. Les quêtes, ça s'éparpillait partout. Et j'ai pas. Bah, d'ailleurs, je l'ai même pas fini. Hein. Je l'ai même pas fini. Parce qu'en fait, c'était trop éparpillé, c'était trop embrouillé. On savait pas où il fallait aller, où il fallait aller. Tout ça, les quêtes, c'était un peu de grand n'importe quoi. Et toutes les quêtes se ressemblaient, donc c'était vraiment lourd. Alors, où est-ce qu'il faut aller? La carrière est au sud des vestiges, porte de la colline. Mmh. Peut-être ici. Pourtant, je suis un grand fan d'Assassin's Creed. Hein. Mais Odyssey, je l'ai vraiment pas apprécié. J'avais même pris le saison pass et j'ai même pas fait les DLC, alors pour te dire. C'est pour ça que sur celui-ci j'ai attendu. J'ai pas fait pareil, j'ai attendu avant de voir pour prendre des DLC ou pas. Là je pense que je vais les prendre parce que le jeu est vraiment bien. Surtout qu'en plus ils vont rajouter deux zones, les États-Unis et la France, donc ça risque d'être pas mal. Alors ça, est-ce que c'est mon bateau? Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bête les bugs. Hein. J'avais à la fin 1 million. Ah ouais. Ah ouais, bah non, moi j'avais pas autant. Je sais plus à quel niveau je suis arrivé au lycée, je sais plus à quel niveau je suis arrêté. Je me suis arrêté, je crois que je me suis arrêté au niveau 30, un truc comme ça. On peut pas encore naviguer à la voile. Hissez la voile! Une chanson maintenant. Alors, je vais naviguer un peu comme ça, voir essayer de trouver un peu les vestiges de la porte des collines. Ça doit être quelque part par ici peut-être. Et puis Odyssey, c'est trop fouillé, j'ai pas... Par contre Origine, je l'ai fini, j'étais jusqu'à la fin, mais j'ai pas fait les DLC non plus. Mais je l'ai fini Odyssey. Celui-ci dans l'ambiance, il me fait penser à God of War, The Witcher, The Witcher 3, tout ça. Au niveau de la période et de ça du jeu. Ah ouais, force était 90, c'était la force maximum, ok. Faudrait que je le relance pour faire pour voir un petit peu où est-ce que j'en étais Odyssey. Ah, est-ce que tu sais où est-ce qu'il faut aller dans cette quête là? C'est la quête que je suis en train de faire, la ligne de ravitaillement. Parce que je vois pas où est-ce qu'il faut aller là, je comprends pas. La carrière est au sud des vestiges de la porte des collines. Et la porte des collines, elle serait où? Ah oui, Origine, oui.
Origine, c'était vraiment. Puis moi, j'adore les pharaons, les trucs, l'époque des pharaons, les pyramides et tout ça. C'est pour ça que j'ai super bien aimé le jeu. Toi, c'est pareil, les bêtes, les boss et tout ça, avec les bestioles et tout ça, les grosses. Les gros boss avec les loups. J'ai pas encore fait non plus là. Parce qu'en fait, c'est trop. J'ai pas encore le niveau en fait. 123, c'est trop juste pour les faire. Parce que là, en fait, je vois pas où est-ce qu'il faut aller, en fait. Carrière est au sud des vestiges de la porte des collines. La porte des collines, mais les collines, de quelle colline il parle? Dustone, est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Dustone déjà? Dustone, Dustone, Dustone. Tac. Un boss de l'ordre, je peux le tuer? Un boss de l'ordre comme ici là, par exemple, celui-ci. Celui-ci, tu penses que je peux le... Je peux l'avoir? Vas-y, on va tenter. Hein. Parce que j'en ai pas tué beaucoup, j'en ai tué qu'un, je crois. L'alliance où je suis, c'est... le dernier, c'est le roi... Attends, je sais plus quel roi c'est. Je sais pas si dans le dans l'ordre on voit ici. C'est Fulke. En fait j'ai fait que ça pour l'instant. Parce qu'en fait je fais beaucoup des quêtes annexes. Tu vois, donc pour justement pas trop avancer dans le jeu. Pour augmenter ma puissance au maximum. Tu as un 10, 4 sur 6. 4 sur 3. Là j'en ai tué que 5 en tout. Là j'en ai pas tué beaucoup. Bon allez, je vais essayer de me le faire lui. Tu utilises quoi comme arme toi? Ouais, si c'est un petit, ça devrait aller. Ça je vais les prendre aussi. Ça, je vais augmenter mon armure. Ouais, avec prudence, ouais, parce que ouais, ils sont balèzes. Même s'il est un petit niveau, ils sont balèzes quand même, les mecs. Excalibur, ah oui, tu me l'as dit en plus. Moi, j'utilise la hache. En fait, là, c'est la tenue t'sais, que j'ai eu avec Amazon Prime. Donc, en fait, j'ai gardé celle-ci avec la hache. J'essaie de le voir directement dans son point faible. Il est où son point faible? Hop, encore un. Celui-ci. Alors si je fais ça, ah, j'ai plus de flèches. Parce qu'il a un dernier point faible.
que là, elle a encore de l'arme. Je vais le loquer, comme ça, ça va être plus simple. Balèze quand même, hein, pour un petit niveau, il est balèze. Hein. Est-ce que tu as trouvé les trucs de Thor et tout ça, le marteau de Thor, l'équipement de Thor et tout ça que j'ai vu qu'il y avait à débloquer avec des quêtes assez balèzes à faire? Il est balèze quand même. Hein. Ah, je vais attendre pour me remettre la vie. Là maintenant. Je sais pas comment on fait pour remonter les attaques spéciales avec l'endurance et ça, comment on fait pour la régénérer vite. J'arrive pas à le battre. Peut-être que j'ai pas la bonne arme aussi. Hein. Niveau 123, je vais me sauver de là. Je vais partir sinon il va me tuer. Ouais, j'essaie de trouver de la bouffe pour remettre en vie. Ah, des flèches, nickel. J'adore les flèches. Ah, est-ce qu'il y a des petits buissons là pour que je me remette de la vie là avec des petites baies là quelque part. Ah, il est là. J'ai les flèches là. Nickel. Bah, c'est pas grave si je meurs. Ah ouais, du coup il s'est repris toute son armure lui. Oh là là, trop chaud. Trop chaud, trop chaud, trop chaud. Ouais, il est imbattable, ouais. Il est imbattable, hein. J'ai eu un petit peu de mal là. Je vais en remettre. Faut que j'augmente un peu mon endurance et tout ça. Que là en fait je dois aller au sud la carrière de d'une telle, où est-ce qu'elle est? Parce
Parce que là, la carrière, donc ça doit être au sud. C'est au sud, je vais aller au sud. Ouais, j'ai eu un peu de mal là. Alors. Monastère. Allez, où la carrière? Ah, tu vois, j'ai eu un peu de mal à le tuer celui-ci. J'ai pas encore l'armure et de ça adapté en fait à mon niveau. Donc je vais essayer d'aller ici. Par ici. C'est pareil, l'environnement est carrément mieux fait que Odyssée. Odyssée, on avait l'impression que c'est des copier-coller le monde. Ça aussi, j'ai trouvé ça classe que le cheval puisse nager. Alors, du coup j'ai plus de ration, j'ai plus rien. Quand je meurs comme ça, je vais ramasser là. Que j'essaye de retrouver la quête principale. Hop, ça je m'arrête, je suis obligé de le prendre. Pour mon armure. Pour faire quoi? Pour le faire nager? En fait, c'est dans, tu sais, dans ton village. Normalement, t'as évolué l'écurie et en fait, tu peux acheter des compétences en fait pour ton cheval. En fait, tu peux mettre l'endurance, t'as l'endurance à augmenter et le faire nager, tout ça. T'as juste à payer, je crois que c'est 400 ou 500 pièces d'or, d'argent. Ça, je sais pas encore le faire, tu sais, sauter au-dessus de ça. Là, quand c'est trop haut, il arrive pas à sauter, faut que je l'apprenne aussi ça. En fait, c'est dans ton village ou alors dans n'importe quel village, tu sais, t'as des écuries, tu peux le faire aussi des autres écuries. Je l'ai fait tout de suite parce que j'ai dit que ça change la vie de pouvoir rester sur le cheval et puis traverser tous les trucs comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait en premier ça. Ça le saute, ça c'est sûr. Là c'est pratique hein. Les marteaux de tort pas encore. Pour Excalibur. Un dimanche après-midi. Ah ouais carrément. Toute une après-midi pour le faire. Wow. Et tort c'est pareil, hein. Les quêtes elles sont longues. Hein. J'ai commencé à regarder un petit peu sur internet et tout ça. J'ai dit waouh, ça va être super long aussi à faire. Champignons. Alors je sais pas à quoi ça sert. Ah, la quête là, elle a fonctionné. Alors. Quête.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, j'ai un bouclier. Là aussi, là aussi. Moi, je vais rentrer dans celle-ci. Je sais pas où il faut aller. Ah ouais, t'as 11 tablettes à trouver, ouais. Et 3 boss à tuer, ouais. Alors, je vois pas ce qu'il faut faire. La première quête que j'ai fait comme ça, qui nous apprend, c'était avec les statues. Mais là en fait il n'y a rien qui nous indique comment faire. Alors là, en blanc, donc normalement ça devrait être bon. Tu verras, après avoir bu une potion avec Thor, ça dure pas très longtemps et la fin. Ah ouais, pas mal. Voilà, donc là j'en ai combien? Je suis à combien? 2. Est-ce que les quêtes, toutes les quêtes d'Asgard, est-ce que tu les as fait pour voir un peu ce que ça fait après une fois que tu les as finies? Parce que ça non plus j'ai pas fini. Un invité prudent désireux de dîner se tait. Il écoute et observe. Le sage doit faire de même afin de chercher en lui la vérité. Bon bah voilà, j'ai réussi à le faire. Et en faisant au pif, en plus en rentrant dans les portes au pif. Hein. Non, tu les as pas fini les quêtes avec Asgard. Parce que j'ai bientôt fini, j'en ai fait pas mal. Et je voulais voir un peu ce que ça faisait quand tu les finis. Bon, ça les loups, c'est pas la peine, j'arriverai pas à les battre. Alors, ils sont 2 contre 1. Ah putain, j'aime pas ceux qui sont avec des armes comme ça.
combat. Deux, pourquoi pas. Voilà, nickel. Non, je suis en mode... je sais même pas si je suis en mode difficile. Je vais regarder un petit peu dans quel mode je suis. C'est en gameplay, je crois. Viking, par défaut, j'ai laissé. Non, c'est en mode normal. C'est peut-être parce que c'est des zones où je suis pas, j'ai pas le niveau, peut-être, c'est peut-être pour ça que... Ah, c'est quoi ça? Je sens mes forces revenir. Flèches et tout, je suis refait là. Je suis refait. Ok, bah Claude, à plus tard. N'hésite pas à repasser. Bonne soirée à toi. Il doit y avoir un truc quelque part par là. Ils ont tous disparu. Pourquoi te lamentes-tu, Viking? Ce sont les braises funéraires du reste de mon équipage. Ils sont tombés l'un après l'autre. C'est une dure perte. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, j'ai appris que toute ma famille était morte de la peste. En Norvège, je n'ai plus personne. Viking. Ma femme, mes enfants, tous mes beaux petits. C'est si dur. Tu dois prendre le temps de les pleurer, l'ami. Impossible. Pas une larme. En tant que pillard, j'ai appris à ne jamais pleurer. Pourrais-tu me donner la permission? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Tu es un viking, comme moi. Peut-être que si tu m'y autorisais, je pourrais pleurer toutes les larmes de mon corps. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Considère-moi comme ton chef. Et ceci comme un ordre. Pleure, Viking. Pleure. Oh, ça ne marche pas. Je ne peux pas. Je ne peux... Par les dieux! Ok. Une petite quête de fête. Bah ça va, elle était facile. Oh là. Ah bah voilà. J'ai découvert un nouveau... Voilà.
lui, à mon avis, c'est pas la même. C'est pas le même niveau que celui que j'ai été fait tout à l'heure. Il faut tuer ce serpent. Faut que je me sauve. Parce que là, j'ai pas le niveau pour lui. Ça sert à rien de rester avec lui. Yes. Ah, parce que ça, il faut le faire pour vos quêtes de chasse. Faut les tuer, les cerfs. Les serpents, pareil. Ça, tout ça, faut les faire. Je vais regarder un petit peu dans mon village aussi si je peux pas l'augmenter. Parce que comme j'ai ramassé pas mal de richesses, voir un petit peu si je peux pas augmenter le niveau de mon village. Tac, je vais aller voir. Là-bas, 2 km. Ah, un petit mouton. Je croyais que je pouvais pas le tuer, mais si. Alors, on va voir où est-ce que ça va mener. J'ai un point ici. Ça, hop. Ration complète, nickel. Je vais le faire. Je vais regarder si je peux pas améliorer. Mes armures, tac tac. Non, pas encore. Je vais passer une fois sur ici. Ok, donc ici c'est un monastère. J'ai combien de points? J'ai 3 points. On va aller voir où est-ce que ça va mener. 160 points. 160 mètres. Alors. Qui est là-haut, je sais pas ce que c'est. Mètres. Je vais regarder, je pense que j'ai un truc à faire là-haut. Les gardes sont vigilants par ici. Alors. Je peux pas monter plus haut. Ah si, j'ai trouvé. Et je crois qu'il y a un mec au-dessus. Voilà, tranquille. Oh là, je l'avais pas vu lui. Son point faible. Voilà. Il n'y a pas eu le temps de réagir. 18 pièces d'argent seulement. Putain, il n'y avait pas grand chose.
objet romain, nickel. Alors ça c'est pour ramener au village, notre village, au musée. Je vais la ramener de suite. Tac. Et comme ça je vais regarder en même temps si je peux améliorer mon village. Et je vais, je vais vous montrer Asgard aussi. Ah, des fois les temps de chargement ils vont vite, des fois ils sont un peu plus longs, je comprends pas. Alors. Normalement, il est plus haut. Seulement parce que vous avez tous très bon goût. Cette histoire-là a commencé il y a très longtemps. Donc ça c'est votre village que vous devez augmenter en fait. Voilà, le musée il est là, ici. Avec les objets romains, ça a ramené. Voilà, comme ça je vais les ramener. Ça va me faire augmenter mon niveau. Ah, il en faut 5. Dis-moi, quel est ton métier? Si tu trouves d'autres objets de l'époque romaine, apporte-les ici. Je les évaluerai et je d'accord, il me faut 5 sur eux. Je dois me mettre en route. Au revoir. Valérie, Ivor. Ah ouais, il en faut 5. C'est quoi ici? Non, je veux pas. Je vais pas améliorer ici. En fait, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez améliorer avec tous les pillages que vous avez fait. Vous pouvez augmenter tous vos tous les petits bâtiments de votre village. Ici, ben, ça c'est les événements décoratifs, ça je m'en fous un peu. Ici, c'est quoi? La brasserie. Bah ben, voilà. Une brasserie dans le village. Voilà, déjà ça. Je vais regarder si je peux améliorer encore des trucs. Là, si j'ai une tente ici, je crois que c'est la boulangerie, ça. Oui. Bon, on va la faire aussi. Comme ça, ça va augmenter encore. Et tout ça, ça débloque des quêtes annexes et tout ça. La boulangerie est terminée, Tarben. Notre table de festin devrait en être mieux garnie. Hey, Ivor, c'est... C'est très gentil. J'espère pouvoir te rembourser un jour. Nous sommes entre amis ici. C'est inutile. Inutile ? Mais j'y tiens. J'ai le cœur sincère. Je me souviens des bienfaits que les gens m'accordent. Et c'est un doux confort lorsque... la gentillesse vient à se faire rare. Mais il reste une chose, si tu as un instant à m'accorder. Un marchand de grains s'est établi en aval. J'aimerais rapporter une demi-douzaine de sacs, mais j'ai besoin d'une autre paire de bras. Voilà, ce que je disais, ça ramène je peux des quêtes en plus. Ah, merci. Je n'avais pas envie de demander à Holger. Alors, c'est parti. Alors, tac. Carmen, pourquoi as-tu rejoint notre clan? Votre renommée, pardi. J'ai entendu parler de l'arrivée d'une bande de guerriers grands buveurs et bons combattants. On disait que vous vous étiez installé au centre de la Mercy et que vous accueilliez tous ceux qui échouaient sur vos quais. Et cela t'a fait envie? Plus que tout. J'ai toujours eu une âme. Allez, c'est parti. L'idée de m'installer dans un bâtiment animé équilibrait les choses. Et étant boulanger, je savais que mes services seraient les bienvenus. Alors je pense qu'il faut faire le tour de la colline et je pense que c'est de l'autre côté. Lors de notre rencontre, je ne t'imaginais pas boulanger. Tu as plutôt l'air de quelqu'un qui sait manier l'âge.
On me le dit souvent. Mais cuire le pain est ton seul métier, n'est-ce pas? Pétrir la pâte, c'est ma grande passion. Et j'ai toujours été doué pour ça. Mais quand je ne trouve pas de place de boulanger, j'accepte d'autres travaux. Tant que je peux travailler de mes mains. Ah, nous avons cela en commun. J'ai une question, Igor. Tu es un guerrier, ça, je le sais. Mais si tu pouvais cesser de combattre, que ferais-tu? Ce n'est pas ça la vraie question. Je peux cesser de me battre, mais je nierais l'essence même de ce que je suis. J'imagine que ta question, c'est que faire si on cessait de combattre? Non, non, tu as répondu à ma question. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ce qui te convient. Une chance rare. Allez, c'est parti. Oui, oui, je vous ai lu. Qu'est-ce que je peux... C'est toi? Qu'est-ce que tu fais en Mercy? Je viens chercher du grain. Pour 30 d'argent, si tu as ça. J'ai la somme avec moi. Bien. Alors, prends ce qu'il te faut et repars. Ça devrait être ça. Merci beaucoup. Bien sûr. Et... prends bien soin de toi, hein? D'accord. Ça va, c'est facile comme quête. C'est pas des quêtes compliquées. Hein. C'est ton fournisseur habituel? Il avait l'air un peu surpris de te voir. Tu trouves? Regarde. Peut-être qu'il connaît quelqu'un qui me ressemble. Ce ne sont pas les grands barbus qui manquent par ici. J'imagine, en effet. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va me demander après? Parce que je pense qu'il va me demander autre chose. La quête est trop simple. À propos de ta question de tout à l'heure, ce que je ferais si je cessais de combattre, à moi de t'en poser une. Ton plus grand désir est de faire du pain? Sous-entend qu'il y a quelque chose de mal à faire du pain. Les Romains en faisaient du pain, les Égyptiens aussi. C'est un beau métier, oui. Mais quelle est ta vocation? Celle de nourrir les hommes. De rendre service à ceux à qui je tiens et qui tiennent à moi. Voilà, ce qui me rend heureux. Tac, je vais faire le tour par là. Ainsi, l'occupation est noble. J'ignore si elle est noble. Je vais essayer de le remettre exactement où il était. Celle qui me donne envie de me lever le matin. Je m'occupe avec plaisir le reste de la journée. Voilà, nickel. Tu as besoin d'aide pour ton grain? Non, pas besoin. Je vais rentrer le reste moi-même et le déposer où cela me convient. Très bien. J'ai pris plaisir à discuter avec toi, Termen. Cela a été une distraction bienvenue. Pour moi aussi, Ivor. Merci de ton aide. Voilà, comme ça, hop. Une quête de fini en plus. Alors ça, c'est les seconds qu'on peut embaucher. Alors, je vais regarder qu'est-ce que j'ai là. Hey, ça bouge plus. Alors, entendu les prouesses, vous aimeriez rejoindre votre clan. Pointe à l'âme à la mienne, et ensemble, nous les ferons. Selon les Skalds, Eivor cherche de bons guerriers. Alors, me voilà. Non, oh, ce sera pour je la préfère prochaine lui. Fois. Il a l'air plus balèze. Ah, je peux pas le recruter. Viens avec moi. Et faisons de l'or et de la gloire notre quotidien. Bon bah je vais prendre la fille alors. Offre-moi un banc, Eivor. J'aurai de fille de gloire. Pour le butin, pour la gloire et le Valhalla. Voilà. En fait ça c'est des guerriers qui peuvent vous aider. Hop. Je vais continuer à fabriquer mes trucs. Voilà pour faire mon bateau. Parfait, Eivor. Tu es vraiment très généreux.
Alors, chantier naval. Donc je peux changer la coque de mon bateau. Je vais mettre comme ça. La voile, on va mettre celle-ci. Les boucliers, on va mettre ça. La poulie, on va mettre celle-ci. La poupe, on va mettre celle-ci. Oh non, celle-ci. Ce sera tout ? Bah ouais, c'est tout. En plus, c'est gratuit. Adieu. À la prochaine fois, Ivor. Bon, c'est des trucs qui servent à rien, ça. Alors, les quêtes. Atteindre le niveau 5 de la colonie. Ouais. Ça, je l'ai pas encore fait. Hein. Ah, j'ai débloqué encore de l'expérience pour Ubiconnect. Ah, je vais regarder si je peux améliorer mes armures. J'aimerais voir ce que tu proposes. C'est ce que tu souhaites ? Accroître la qualité, ça je peux pas. Améliorer. Non, les arcs, je m'en fous un peu, les deux autres. Je pars. Non, les deux arcs, c'est en bas, je m'en fous. Bon usage de cet équipement. Dans une oasis d'un lointain désert. Un lieu mystérieux, merveilleux, avec un temple dédié. Alors là, c'est le truc de tatouage. Ah, j'ai encore tout ça à améliorer ici, de ce côté-là aussi. Et là, on va aller, je garde. Hop. J'ai pas encore fini. Ça fait comme s'il y avait une troisième map, en fait. Oui, le brouillard s'est soudain dissipé. Je peux pas. Allez, c'est parti, je garde. On y va. Voilà, on y est. Alors là, il faut que je trouve les trésors. Alors j'en ai un ici. On va essayer de monter en haut. Là, je vais pas pouvoir monter, donc je vais faire le grand tour. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut pas monter? Alors ça, c'est un peu chiant. Alors ici.
Non, bah là je pourrais pas monter là. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller, s'il faut monter là ou pas. Waouh. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la carte et me re-téléporter ailleurs. Là ici, hop, et je vais aller de l'autre côté. Et ici c'est le plus long de saut de fois de Assassin's Creed. Voilà, hop, donc les trucs elles sont. Là j'ai une quête à faire, là une deuxième. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller par là. Hop, je vais mettre un point et je vais aller par là. Ma monture pour vous la montrer. Asgard, vous avez une monture différente. Et voilà le renne du Père Noël. Alors est-ce que je vais pouvoir sauter d'ici? Parce que là, si je saute d'ici et j'arrive pas en bas, je meurs. Téléportation, je sais plus où est-ce que ça m'emmène. On va regarder un petit peu. Hop. Ah bah nickel, ça m'emmène en bas. Cette zone là vous pouvez la débloquer dès le départ dans le jeu. Il suffit de construire la maison de la druide. Et comme ça, ça vous permet de débloquer cette zone là aussi. Où il y a pas mal de trésors à chercher, des quêtes à faire. Ah, c'est là-bas. Vous avez trois maps, vous avez l'Angleterre, la Norvège et Asgard. Alors, où est-ce que je vais pouvoir rentrer pour piquer le trésor? Je dois passer de l'autre. Alors, de l'autre côté. Alors, s'il me donne beaucoup de flèches comme ça, c'est qu'il y a un truc à faire. Ah bah voilà. Ça va être toutes ces pierres là, les pierres de Ymir, c'est pour donner en offrande après, et je sais pas ce que ça fait en fait. Alors il y en a encore un par là, donc faut tous les ramasser. Il y en a une trentaine à ramasser, j'en ai déjà ramassé pas mal, et ça je le fais entre deux missions quand je sais pas quoi faire dans le jeu. Je reviens à Asgard pour faire toutes les ces petites quêtes là. Alors faut faire gaffe parce qu'il y a des ennemis aussi. Ouais. Ça c'est des esprits donc ça.
C'est bien, ça me fait des ressources après pour me fabriquer des armes, des armures et tout. Alors, donc c'est par ici, sans la neige. Je vais récupérer les deux autres après. Ils ont un petit niveau, donc ça va, c'est tranquille là. Alors, ah ouais, je les vois là-bas. Trésor au sous-sol comme par hasard. Va falloir péter ça. Je sais pas s'il y a de l'eau ou quoi en dessous. Alors. Waouh, comment je vais faire pour monter là-dessus? Je peux? Ok, donc déjà je peux pas passer par là. Non, ça a insisté à mon avis, je vais revenir par ici. Donc je trouve une autre entrée. À moins qu'il y ait une entrée ici. Non. Où est-ce qu'il y aurait une entrée? Par ici peut-être. C'est ça le plus chiant qu'il y a à faire ici, c'est chercher les trésors. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent se téléporter. Bon. Encore un tout à l'heure, il est où? Il est là-haut. Voilà, nickel. Donc ça doit être par ici qu'il faut passer. Ah,
ici. Ah, c'est pour ça qu'il faut bien chercher, parce que les donjons sont super grands. Là, j'ai des flèches. Pas le péter ça. Non. Alors où est-ce qu'il faut aller? Parce que mon trésor est juste derrière. Ou alors peut-être la torche. Non, c'est pas là, c'est là. Peut-être un autre passage par là. C'est pour ça qu'il faut bien regarder partout. Il y a tellement de passages dans le jeu que... Ah, c'est là. Ah, il veut pas se baisser. Ah, c'est là en plus, je suis sûr. C'est pareil, il faut ramener des bombes pour détruire la porte. Ah, je vais faire comment? Je peux plus remonter en plus. Est-ce qu'il y a des bombes ici? Non. Ah, où est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Les énigmes, elles sont balèzes. Elles sont balèzes. Parce qu'ici, normalement, tu fais ça, tac. Là, on est en dessous, mais là, je comprends pas, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah là là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, merde. Ah putain, les donjons, putain, c'est... Ah, il y en a, c'est une plaie. Hein. Juste derrière. Ok. S'il n'y a rien derrière. Là non plus. Là non plus. Ah 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 ah. Voilà.
Bah voilà. Il suffisait de réfléchir un petit peu. Et là, normalement, j'ai passé. Ici, j'ai l'accès de l'autre côté. Voilà. Nickel. Alors, par contre, est-ce que je peux porter ça et passer en dessous ? Oui. Nickel. Et hop, un deuxième. Donc la 50, il est où ? Il est loin de celui d'ici ou pas ? Et dans l'autre zone. Ok. Donc là c'est bon, j'ai tout fait. Donc là je reviens où j'étais tout à l'heure. Et là je peux remonter au-dessus. Comme j'ai détruit la glace, c'est nickel. Donc j'ai deux trésors à chercher à côté. Ça lui va se ramener là-bas. Allez, vas-y, 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 avance. Et bah voilà. C'est une affaire qui roule, ça. Alors, où est-ce qu'elle est l'entrée pour le accéder au trésor? Ah bah là, il y en a déjà un. Il n'y a même pas besoin de descendre. Par là, c'est moins étonné. Tac, par où je vais pouvoir monter. Ah, là, ici. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu, hein. Vous allez demander. Ah yes, il est là. Prochain trésor, 240 mètres. Ici, hein. Ouais, nickel. Comme ça, je vais ici et je reviens en prendre arrière pour finir le reste. C'est lourd encore. Allez, viens là. Ah,
sa vie avec son corps, lui, c'est vraiment balèze. Hein. C'est un bug ou... le coffre. Je crois pas que je peux monter par là. Peut-être par l'arbre. C'est un jeu où il faut bien réfléchir. Hein. Nickel. Alors les prochains sont où? Ici. Oh. Il y avait une falaise. Ça m'énerve, c'est quand il y a des falaises comme ça, il y en a plein, ça te bloque. L'eau, mais moi j'ai pas réussi. Là, allez, encore un coffre. Ensuite. Ça nous permet de débloquer le reste de l'histoire d'Asgard. C'est un peu chiant comme quête à faire, mais bon, c'est obligatoire. Après, c'est obligatoire, oui et non, parce qu'en fait, c'est une quête annexe. Mais je pense que ça va payer après. Ça va me débloquer, je pense, des trucs intéressants. Voilà, 30 mètres, et après on le voit plus. Ah, il est en dessous. Ah, je fais comment pour y aller en dessous.
voilà comment je fais. Ce donjon. Ça, la vision de corbeau là ou d'aigle là, ça va super bien, c'est super pratique. Alors, comment je vais faire pour aller là? Là-haut, non? Je vois qu'il y a un truc là-haut. Je vais monter là. Peut-être un passage pour passer de l'autre côté. Alors, il devient plus difficile de cacher la ville d'un. Bien lire les notes parce que des fois vous avez des bonnes indications. Alors celui-ci je l'avais déjà ouvert et c'est vrai qu'après les autres je les avais pas trouvés. Il est juste là en bas. Alors par où passer? Ici je l'ai fait aussi. Parce que là il me dit qu'il est en bas, donc du coup il va falloir que je saute. Tout ça je l'ai fini aussi. Redis, hein, c'est pas obligatoire de le faire. C'est parce que moi je vais débloquer tout à 100%. Donc je fais tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Même les trucs chiants comme ça.
pas comment là. Plus bas. Du jeu super. Ah, le jeu la frise en direct, pas mal. Bon bah voilà. Impeccable. Bon bah merci d'avoir suivi le stream. Désolé, ça a planté. N'hésitez pas à vous abonner, je reviendrai très vite sur un nouveau stream. Merci d'avoir suivi, salut à tous.